Commençons le briefing de cette étape. Cette épreuve au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps et conserver son maillot. Allez, on l'encourage! Allez, c'est parti pour ce seul chrono du Tour de France. J'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, c'est parti par Pablo. On va garder des forces pour la fin. Déjà, on démarre très très mal. Oui. Pour le moment, garde bien la position aéro. Allez, et du coup on est parti avec Jonas Vingegaard défendre notre maillot jaune tout simplement. Après le prochain virage à gauche, il sera au pied de la première bosse. En moyenne, ça flirte avec les 10%. Ce sera compliqué de rester en position aéro. N'hésite pas à te mettre en danseuse. Allez, tu gères cette bosse, allez. Allez, la première montée. Et ça nous indique qu'on est à 20 km déjà. Et on rattrape déjà le coureur devant. Allez, on est à la moitié. Allez, parfait. Voilà. On peut se remettre en position aéro. Attention dans la descente, reste prudent. Allez, parfait. On arrive au pointage intermédiaire qui va nous indiquer la tendance un petit peu. Oh, on est premier. Le meilleur temps intermédiaire. Allez, allez, continue, tu joues la gagne. Mais fais attention à garder de l'énergie pour la fin. 18 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. On va récupérer un petit peu d'énergie tranquillement. Ça sert à rien de pédaler là. Allez. Et on se remet en position aéro dans la fin de la descente. Parfait. Pour le moment, sur le pointage intermédiaire numéro 1, on fait 10 minutes 35. Attention, tu arrives sur un gauche-gauche. Allez. Attention, c'est... lève la tête, tu arrives sur une portion sinueuse. Des fois c'est limite, hein. C'est très très limite par moment. Allez, encore 4 km avant la côte. Gère pour en garder sous la pédale. On est parfait. Pour le moment. Continue comme ça. Le second checkpoint est au pied de la côte. Après, ça monte jusqu'à la fin. Allez. On sent qu'on est au bout du rouleau. Hein. Là, clairement, on est à 1 km. 1 km avant le checkpoint et la côte. Allez, allez. On peut rester en position aéro, là, normalement. Allez, au deuxième pointage, Pogačar fait un devant Van Aert. Allez, c'est parti, on s'affole pas. Ça va être un effort long. Et on a plus que 8 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Allez, 5 km. C'est plus la peine de penser à la position aéro maintenant. Il y a trop de temps. Allez.
Allez, on est bien le leader du Tour de France dans la montée finale. La côte de Domancy, 2,5% de moyenne à 9,5% de moyenne. Il va falloir être bon, il va falloir être costaud physiquement, mentalement. Ah, elle est dure, hein. Elle est très très dure celle-là. Allez, après le virage, ça va être un peu moins tendu. Allez. Allez, mais c'est pas pour ça qu'il faut penser tout de suite à la position aéro, quoique c'est des pourcentages qui peuvent aider. Van Aert fait deuxième. Moins de 3 km. Allez, tu t'accroches. 2,3 km. Allez, allez, tu lâches rien. Et Vingegaard qui va clairement tout donner, hein, là. Maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. La flamme rouge est juste là. Le dernier kilomètre. Tout donné jusqu'au bout. Pogačar fait 1, il vient d'en terminer. Il va falloir être meilleur, il va falloir être bien meilleur. 33-30. Mesdames et messieurs, applaudissez-nous bien fort. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée, Patrick Kobu. Jonas Vingegaard. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jonas Vingegaard. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Jonas Vingegaard. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadej Pogačar. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Voilà, au classement de cette étape, Vingegaard a 3 secondes d'avance sur Pogačar. On en avait 18 au premier intermédiaire, 8 au deuxième, 3 à l'arrivée. Kong fait 9 secondes, Van Aert 29 secondes, 32 pour Cavagna, 33 pour Jorgensen, 36 pour Poels, 41 sur Krag, 42 sur Van Der Poel et 43 également sur Kradok. Au classement général, on a une 10 d'avance sur Pogačar, 8-10 sur Mas, 12-42 sur Godu, 13-04 sur Carapaz, 19-41 sur Van Aert, 21-38 sur Hindley, 24-57 sur Bardet, 27-11 sur Kuss et O'Connor est à 29-38. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, 67 points pour Vingegaard, 59 pour Pogačar, 50 pour Traen. Le classement du maillot vert, 337 pour Van Aert, 231 pour Philipsen, 170 pour Jakobsen. Le classement du maillot blanc, Pogačar à 44 minutes 08 d'avance sur Pidcock et 17-07 d'avance
sur 1h07 d'avance, pardon, sur Jürgensen au niveau du classement par équipe. On a 38 minutes d'avance sur la EF EasyPost et 1h16 minutes sur la UAE Team Emirates. C'est au niveau du prix de la combativité. Harper à 716 km au compteur devant Train 654 km et Moscone 593. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour la 17e étape de ce Tour de France qui nous emmènera tranquillement encore dans les Alpes. Il reste, je crois, 3 étapes ou 2 étapes de montagne. Il y aura ensuite 2 étapes de plat, dont l'arrivée à Paris. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Ace, je vous fais des bisous. Peace. What is that?